sentir moins seul grâce aux nouvelles technologies. De plus en plus d'applications et d'objets proposent des solutions face à ce phénomène qui touche toutes les générations. 5 millions de Français seraient aujourd'hui concernés. Laurent Boutet. Un nouveau ministère entièrement dédié à la lutte contre la solitude. Theresa May, la première ministre britannique, en a fait l'annonce ce week-end. Nous allons créer une nouvelle enveloppe budgétaire. Avec celle-ci, le gouvernement pourra travailler avec les organisations de charité et stimuler la recherche de solutions innovantes. Tout cela sera chapeauté par un nouveau ministère. En France, on n'en est pas encore là, mais il existe déjà sur le marché de nombreux objets connectés qui ambitionnent de rompre l'isolement. Le journal Le Parisien en liste plusieurs ce matin, comme ce cadre photo qui permet d'afficher à distance des clichés chez ceux que l'on aime. Un cadre qui fonctionne sans connexion Internet grâce à une carte SIM qui communique avec des réseaux de téléphone portable. Il y a aussi cette application qui permet de garder un œil sur ses proches. Des notifications sont envoyées dès qu'une visite d'aide à domicile a été effectuée ou qu'un coup de téléphone a été donné. Enfin, ce coussin robot bourré de capteurs réagit quand on le serre dans ses bras. De quoi rassurer ceux qui ne supportent pas de dormir seuls. Un mot de sport avec la large victoire.